Bonjour. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fitness Academy. Maintenant que vous avez bien travaillé sur votre posture, ce mois-ci, on va aborder un thème qui consiste à travailler sur le backswing. Donc comme le mois précédent, on va vous proposer 3 exercices là pour travailler sur votre backswing et donc Justine va utiliser un élastique. Donc premier exercice, on va partir dans une posture où on est au départ pieds joints, on peut mettre tout de suite des angles dans la posture et on va décaler le pied, voilà, et faire la rotation. Voilà, très bien. Voilà, et on enchaîne et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, le but c'est vraiment de sentir que le poids du corps il est bien venu sur la jambe arrière. Vous voyez la rotation, voilà, et après on transfère de l'autre côté. Voilà, très bien. Vous pouvez également réaliser cet exercice avec un club. Voilà, et Justine va nous montrer. Voilà. Donc le principe est le même, qu'on le fasse avec un élastique ou avec un club. Et donc, moi, quand je fais cet exercice, ça me permet vraiment de ressentir mes appuis sur le côté droit, sur vraiment le fait que mon poids soit ancré sur la jambe droite. Donc, cette sensation que je retrouve pendant le backswing. Donc, deuxième exercice, toujours avec l'élastique. Donc là, Justine, voilà, va mettre son pied dans l'élastique et elle va réaliser un backswing en cherchant à tendre au maximum l'élastique. Voilà. Donc on va pouvoir faire une dizaine de répétitions. Donc là, le but de l'exercice, c'est vraiment de travailler sur l'amplitude sur la prise d'élan, voilà, tout en conservant bien sa posture. D'accord ? Là, on voit très bien que sur le backswing, le bas du corps, il est très stable. Et donc, là, Justine est venue chercher beaucoup d'amplitude pour pouvoir emmagasiner un maximum d'énergie. Même si on travaille le backswing, et donc on a tendance à vouloir travailler vraiment que le côté de notre backswing, donc le côté droit pour les droitiers et le côté gauche pour les gauchers, il est quand même très important de toujours travailler des deux côtés. Donc après avoir fait cet exercice du côté droit, je vais réaliser le même exercice du côté gauche. Donc même si ça ne vous paraît pas naturel de faire ce mouvement en gaucher, c'est très important parce que le swing de golf se réalise toujours du même côté et donc c'est important de rééquilibrer côté gauche et côté droit. Donc troisième exercice, toujours pour améliorer votre backswing. Donc là, on va se mettre en position, ce qu'on appelle de fente. Donc c'est-à-dire qu'il y a une des deux jambes qui va être un peu reculée. Et donc là, cet exercice va vraiment vous permettre de travailler sur le fait de rester centré, c'est-à-dire d'éviter de faire trop de déplacements sur votre backswing. Voilà, donc on fait un tirage. Donc vous voyez, les épaules de Justine vont venir tirer et vont venir tourner, mais par contre le bas du corps va toujours rester bien centré. Vous voyez, Justine va venir tirer avec le bras qui correspond à la jambe qui est positionnée en avant. Et donc comme pour les autres exercices, c'est toujours très important de réaliser l'exercice des deux côtés. Voilà, donc cet exercice, vous pouvez faire au minimum 10 répétitions en le faisant à chaque fois des deux côtés, côté gauche et côté droit. Alors, petite astuce pour l'élastique, si vous n'avez personne pour le tenir, moi ce que je fais, c'est je le coince derrière une poignée de porte, comme ceci. Et voilà, je recule et comme ça, je peux faire mon exercice seul. Pour ces 3 exercices, on vous préconise de réaliser 10 répétitions de chaque côté. Et après, l'objectif, c'est au fur et à mesure, en fonction de ce que vous ressentez et si vous vous sentez bien, d'augmenter ce nombre de répétitions au fur et à mesure des semaines pour arriver à 3 séries de 10 répétitions à la fin du mois. Cela conclut notre épisode sur le backswing. Donc le mois prochain, on va vous proposer des exercices pour travailler la stabilité. On vous souhaite bon golf à tous et on vous retrouve le mois prochain ici au Golf National.